Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, l'ancien empire de Carthage régnait sur la Méditerranée. Mais une guerre sanglante, connue sous le nom de Première Guerre Punique, forcera Carthage à capituler sous les coups de son ennemi, Rome. Loin d'être anéanti, Carthage entreprendra de se venger. En 218 avant Jésus-Christ, elle se lancera dans la deuxième guerre punique. Cette guerre scellera le destin d'un enfant qui deviendra l'un des plus grands guerriers de tous les temps, Hannibal. J'étais né pour exercer la vengeance de mon peuple et réaliser l'impossible. Mon nom resterait à jamais gravé dans l'histoire comme celui du pire ennemi de Rome. Voici l'histoire d'un général qui conduisit son armée jusqu'à l'extrême limite de l'endurance humaine. Avancez, avancez ! Un brillant stratège qui mena Rome la toute puissante au bord de la destruction. Et plus que tout, ce film montre à quel point la décision d'un homme peut faire basculer le cours de l'histoire. Une décision qui hantera Hannibal jusqu'à sa mort. Une décision qui marquera le début de 600 ans de domination romaine sur l'Occident. Depuis ma plus tendre enfance, je n'avais connu que la guerre. La guerre entre Carthage et Rome. Mon père avait combattu Rome 40 ans plus tôt, mais nous avions été vaincus, humiliés, dépossédés de notre honneur et de nos territoires. Sous le commandement de mon père, nous nous sommes relevés et nous avons étendu nos territoires d'Afrique du Nord jusqu'en Espagne. Mais un seul maître devait régner sur la Méditerranée. De Carthage, l'une des deux devait être détruite. Et fidèle à la mémoire de mon père, j'avais fait le serment que ce ne serait pas Carthage. Hannibal Barca. Caius Terentius Varro, ambassadeur spécial du Sénat de Rome. Mes frères, Magon et Hasdrubal. Vous savez pourquoi je suis là. Nous avons entendu dire que vous aviez proféré des menaces contre la cité de Saguntum. En effet. Saguntum est l'allié de Rome. Elle est sous notre entière protection. Saguntum est située en Espagne, non en Italie. Pourtant, elle continue à attaquer les alliés espagnols de Carthage. Dites-moi, Caius Terentius Varro, si c'était sur le sol romain que se trouvait cette cité, que feriez-vous? Vous connaissez les règles qui régissent une alliance. Faire la guerre à Saguntum, c'est faire la guerre à Rome. Thank you.
attaquant à Saguntum, j'avais cherché à provoquer Rome. Le stratagème fonctionna. Rome ne peut en aucun cas accepter une agression aussi délibérée contre l'un de ses alliés. C'est pourquoi vous devez livrer le général qui en est responsable, Hannibal Barca, aux autorités de Rome, qui le feront comparaître en justice. De quel droit venez-vous ici, à Carthage, avec un discours aussi menaçant, Fagius? Saguntum a mérité d'être puni pour avoir attaqué nos alliés. C'est Barca. Il les pousse à faire la guerre. Ici, peuple de Carthage, dans les plis de ma toge, j'ai apporté la paix et la guerre. Je t'écoute, quel choix vas-tu faire? Celui de la paix ou celui de la guerre? Choisis, Fabius! Que Rome décide! La guerre! Brûlez tout! La guerre que j'étais né pour livrer avait commencé. Ce serait une guerre pour la survie de notre civilisation. En Espagne, Hannibal s'emploie à constituer l'armée qui livrera cette guerre. Venue des quatre coins de l'Espagne et de l'Afrique, ces guerriers forment une mosaïque d'ethnies et de croyances. Mais tous n'ont qu'un seul et même but. Restaurer l'honneur et la puissance de Carthage. ...8000 cavaliers, 40000 fantassins, des frondeurs, des lanceurs. Je veux qu'ils soient prêts à faire mouvement à tout instant. Ils sont prêts, mon frère. Des cavaliers numides, Maharbal. Sont-ils rapides? Plus rapides que le vent, général. Ne me trompe pas, Maharbal. Ils sont plus rapides que les Romains. Les éléphants, 37. En quel état? Ils sont très robustes. Éloignez d'ici tous ces enfants. On part en guerre. Les Romains déploient deux armées. Une en Sicile, d'où ils comptent porter l'offensive sur Carthage. L'autre, dans le sud de la Gaule, d'où ils tenteront de nous attaquer ici, en Espagne. Mais nous n'y serons pas. Nous rêvons depuis toujours d'attaquer les Romains sur leur propre territoire. Eh bien, c'est le moment ou jamais. Il faut exclure la voie maritime, car Rome en a le contrôle. Donc, nous choisirons la voie terrestre en menant notre armée à travers l'Espagne et le sud de la Gaule, et puis nous franchirons le Rhône et marcherons jusqu'en Italie. Nous savons que les côtes sont bien défendues, donc pour les éviter, nous franchirons les Alpes. Cinquante mille hommes à travers les montagnes. C'est la route la plus courte, la plus directe. Je suis absolument persuadé que les Romains nous croient incapables d'une telle audace. Giscard revient justement des Alpes. Il a trouvé des guides et un passage. Il croit que c'est possible. Et nous savons tous à quel point Giscard est prudent. Alexandre, avec seulement 50 000 hommes, a conquis le monde. C'est pas mal pour un Grec. Mais on peut faire mieux. Maintenant, allez. Prévenez vos hommes. Ça ne leur plaît pas.
Ça m'est égal. Et je suis de leur avis. C'est une chance pour toi, mon frère. Car quelqu'un devra rester ici. Quelqu'un qui sera chargé d'assurer militairement la défense et la protection des territoires espagnols. Alors reste ici et défends-les. Tu connais mes intentions. Notre père a combattu pendant 8 ans pour rendre l'Espagne à Carthage. Et toi, tu l'abandonnes pour un risque inutile. C'est ainsi que les grandes victoires s'obtiennent. Et les grandes défaites. Il faut montrer à Rome qu'on ne se laissera pas chasser ni humilier à nouveau. Et je ne reculerai devant rien pour restaurer l'honneur et le respect que mérite Carthage. Or, je ne peux faire cela que si je sais l'Espagne entre des mains sûres. Mon frère, je te promets que dans 1 an maximum, nous serons à nouveau réunis sur les berges du Tibre, à Rome, et victorieux. Tu tiens entre tes mains les vies de 50 000 soldats. Qui les conduirait si ce n'est moi, toi? Ils ne me suivraient pas. Mais toi, ils te suivront, mon frère. Ils te suivront jusqu'à la mort. Je ne demandais à mes soldats rien de moins que de se sacrifier pour Carthage. D'abandonner ce qui leur était le plus cher, sachant qu'ils ne reviendraient peut-être jamais. Je ne pouvais faire la moindre exception. Prête ? Bientôt. Ça avance, comme tu peux le constater. Bien. Tu seras plus en sécurité à Carthage, Imilce. En sécurité. Tu prends en otage ton épouse espagnole. C'est une façon de t'assurer que mes compatriotes ne rejoindront pas Rome. Oui, c'est normal. La guerre a ses lois. Alors cesse de prétendre que c'est pour ma sécurité. Nous avons livré de rudes batailles pour l'Espagne. Il faut que nous assurions sa sécurité. Des batailles? Tu t'es même marié pour l'Espagne? Tout sera bientôt terminé. J'aurai ma revanche sur Rome. Et nous serons de nouveau réunis. Lors de la première guerre punique de 264 à 241 avant Jésus-Christ, Carthage a mené une campagne défensive et essuyé une cuisante défaite. Les Romains sont convaincus qu'il en ira de même cette fois encore. Mais la stratégie d'Hannibal sera de prendre les Romains à contre-pied. Pour porter la guerre en territoire romain, son armée, composée de 90 000 fantassins, 12 000 cavaliers et 37 éléphants, devra parcourir près de 2500 km avant l'hiver. On atteindra le Rhône avant les moissons. On pourra se ravitailler avant de franchir les Alpes. Si les moissons arrivent à temps, et nous aussi, j'aimerais pas être dans ces montagnes lorsque la neige tombera. On a tout le temps, Marbal. Au sud de l'Èbre, l'armée d'Hannibal traverse des contrées occupées par des tribus fidèles à Carthage. Et de l'autre côté du fleuve, elle entre en territoire hostile. Nos guides, je suppose. Notre passage allait dépendre du bon vouloir de tribus sans foi ni loi qui n'étaient inféodées ni à Carthage, ni à Rome. Malko je, z tego cyklu się pić kitas.
Il dit qu'il est satisfait de ce qu'on lui donne. Il dit que les routes sont difficiles et que sans guide, on serait perdu. Il propose de nous guider lui-même. Dis-lui que nous sommes reconnaissants envers son peuple et que nous le remercions pour son aide. C'était un pari risqué, mais nous n'avions pas le choix. Peu de mes hommes s'étaient déjà aventurés si loin vers le nord. Ils étaient nerveux, inquiets, à juste titre. Hannibal, que va-t-on faire des déserteurs? On perd des hommes. Si on en attrape un, il faut le faire écarteler par des chevaux, pour l'exemple. Épargne les chevaux, Maharbal. On en aura besoin quand les tribus du Nord nous auront rejoints. Embuscade! Mettez les chevaux dans les collines! Regroupez! Embuscade! Suivez-moi! Ce chien nous a tendu un piège! À l'abri! Des voleurs, des traîtres, de la vermine. C'est ça quand on fait confiance à des sauvages. Et maintenant, comment va-t-on passer? Les prisonniers nous guideront. S'ils refusent, tuez-les. À peine avions-nous entamé notre expédition que déjà les forces de la nature éliminaient impitoyablement les plus faibles. Je savais que seuls les plus robustes parviendraient à gagner l'Italie. Général, regardons les choses en face. On a mis une éternité pour arriver jusqu'ici. On n'avait pas prévu ça. Et alors? Si on passe l'hiver ici... Si on passe l'hiver ici, la plus grande armée jamais déployée nous attendra de l'autre côté. Nous franchirons les montagnes. Les Romains ont débarqué à Marseille. Ce n'est qu'à 3 jours de marche. Attaquons-les là-bas. Nous attaquerons les Romains sur leur propre sol. Peu importe la saison, nous franchirons les Alpes. Pour en finir. L'armée romaine s'est arrêtée à Marseille pour se ravitailler avant de repartir vers l'Espagne. Les Romains apprennent alors que les troupes d'Hannibal sont toutes proches. C'est impossible. C'est la vérité, mon général. Il a déjà traversé les Pyrénées et il arrivera bientôt au bord du Rhône. Nous voulions l'attaquer en Espagne. Il essaie peut-être de protéger l'Espagne en nous attaquant sur le sol gaulois. Publius Scipion était le type même du général romain. Fiable, prévisible, il n'avait qu'une idée en tête, me traquer jusqu'à m'anéantir. À condition qu'il puisse me trouver. Et s'il comptait atteindre Rome?
S'il compte atteindre Rome, il devra longer la côte pour arriver jusque là. Personne ne prendra le risque de passer par l'intérieur des terres. Le relief est beaucoup trop accidenté. Il y a les montagnes. Et aussi ces maudits Gaulois. Demain, nous partirons pour les intercepter. Comment ça, ils sont partis ? Dites qu'ils ont quitté ce camp il y a 3 jours. Dans quelle direction ? Ils sont partis vers l'est, vers les montagnes. Est-ce que tu crois qu'il peut franchir les Alpes ? Si jamais il y parvient, on attendra de pied ferme de l'autre côté. Je vais retourner en Italie pour lever de nouvelles troupes. Nous écraserons son armée, jusqu'à ce que son pays soit réduit en cendres. On a sous-estimé ce barbare, c'est terminé. Les plans de Publius Scipio ont été déjoués par son rival. C'est une leçon que son fils n'oubliera jamais. Une seule chose nous séparait désormais du sol romain. 200 kilomètres de montagnes, de neige et de glace. Hannibal aborde les contreforts des Alpes au début de l'hiver 218 avant Jésus-Christ. Ces hommes, accoutumés au climat doux de l'Espagne et de l'Afrique du Nord, ne sont pas préparés à affronter les rigueurs de l'hiver qui les attend. L'armée avance péniblement à travers les montagnes, à une altitude qui peut atteindre près de 2500 mètres, quasiment sans nourriture, sans abri et sans répit. Pour traverser, mes hommes durent marcher sans relâche. Si nous nous arrêtions ne serait-ce que brièvement, c'était la mort assurée. Le froid et la faim nous mordaient les entrailles. Allons, plus vite! Avancez! Oui, c'est ça! Chaque jour, nous perdions plus de 1000 hommes. Et pourtant, j'étais certain de notre victoire finale. En atteignant enfin le sommet, Hannibal découvre que la voie est bloquée par un glissement de terrain.
Pourquoi on s'arrête? On est bloqué. Qu'on apporte du bois et du vin. Maintenant, couchez les amphores dans la neige, bien au frais. Nous étions 50 000 en abordant ces montagnes. Un peu plus de la moitié réussit à passer de l'autre côté. Mais j'étais prêt à ce sacrifice pour protéger le territoire de Carthage de l'invasion de Rome. Cela fait 7 mois que l'expédition a quitté la nouvelle Carthage. 70 000 hommes ont péri ou déserté. Mais le plus dur reste à venir. On a réussi. Hannibal est pressé de se battre. Et ses troupes affaiblies et démoralisées n'ont pas encore affronté leur véritable ennemi. Ils ont pu traverser. Et maintenant, ils sont malades. Il fait trop froid ici. Ils n'ont pas l'habitude. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Il leur faut du repos. Mais même après ça, je ne suis pas sûr qu'ils seront prêts à livrer bataille. Ce n'est pas une armée. Ils ont besoin de repos et de nourriture, c'est tout. On manque d'effectifs. On trouvera sûrement des hommes parmi les tribus locales. Encore des sauvages. Des guerriers, Marval. Comme nous. Qui haïssent Rome. Comme nous. Les Romains n'étaient pas mes seuls ennemis. La moitié de leur armée était constituée de troupes alliées venues de toute l'Italie. Pour vaincre Rome, je devais éprouver la solidité de ces alliances. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Des vivres. Des armes, des hommes. Pour combattre les Romains. Pour vaincre les Romains. Vos hommes sont à moitié morts.
Ils sont affamés, exténués. C'est de la pure folie. Non. On veut être libre. Et quand vous et votre armée vous serez partis, il se passera quoi? Nous aussi, on a résisté à Rome par le passé. Vous savez ce que font les Romains à ceux qui osent leur résister? Ils n'ont aucune pitié. Les corps mutilés de nos compagnons étaient mêlés aux cadavres pourrissants de nos chiens. Si vous nous rejoignez, jamais plus vous ne serez menacés par Rome. J'en fais le serment. Bande de lâches. Qu'avons-nous à faire de ces lâches? Ce ne sont pas des lâches. Ils se sont battus contre les Romains. Que va-t-on faire? On fait demi-tour. À travers la montagne. Ou on reste et on se bat. Nous n'avons pas assez d'hommes, général. Aucune bataille ne se gagne par la seule force du nombre. Ce qui compte, c'est la rage de survivre. Pour le prouver à mes hommes, je lançais un défi aux prisonniers. Un combat à mort. La récompense? Leur liberté. Je voulais montrer à mes guerriers qu'eux aussi auraient à choisir. Soit la mort, soit la vie et la gloire. Cet homme a gagné sa liberté en se battant pour survivre. Je ne lui ai pas laissé le choix. C'est ainsi, nos dieux ne nous laissent d'autre choix que de nous battre pour notre survie. En quelques jours, vous devrez affronter l'armée romaine. Elle est plus nombreuse que la nôtre. Ces hommes sont mieux nourris et possèdent un meilleur équipement. Mais les soldats romains se battent parce qu'ils doivent obéir aux ordres. Nous, nous nous battons pour récupérer ce qui nous appartient. Les Romains considèrent qu'on est des barbares, des sauvages. C'est vrai pour certains d'entre nous. Et quand nous nous engagerons sur le champ de bataille, n'oublions pas qu'il n'y a qu'une seule chose certaine, c'est que la bravoure nous apportera la victoire. La lâcheté et l'hésitation ne nous apporteront rien d'autre que la défaite et à coup sûr la mort. Nous nous battons pour notre vie. Nous nous battons pour Carthage. Pendant qu'Hannibal rassemble ses forces, l'armée de Publius Scipion marche vers le nord, à sa rencontre. Plus tôt nous connaîtrons sa position et ses effectifs, plus tôt nous punirons ce barbare pour avoir osé s'aventurer sur notre territoire.
sont-ils? 4 ou 5 000 fantassins et cavaliers. Dis aux hommes de se cacher derrière la colline. C'est ici que tout commence. Je savais que les Romains pensaient nous écraser facilement, affaiblis comme nous l'étions par notre longue marche. C'était exactement ce que je voulais qu'ils croient. Cadeau de Rome. Alors, la cavalerie ne t'a pas déçu, général? Ils ont été courageux. Ils étaient bien commandés. En effet. À vrai dire, mon homologue romain n'avait pas l'air d'humeur à se battre. Tu as failli le tuer. Je t'ai vu. Failli? Aurais-tu perdu ta faux, Barbal? Il a été sauvé par son fils. Ainsi, 2 générations ont échappé à ton glaive. Quelle est donc cette famille que le sort a préservée miraculeusement? Leur nom est Scipion. C'est une des familles les plus nobles de Rome. Pourtant, leur sang est de la même couleur, je suppose, que celui de leurs soldats. Le père a été blessé, mais la prochaine fois, ce sera au tour du fils. Ainsi, nous mettrons un terme aux actions de ces nobles Scipions, serviteurs zélés de Rome. C'est d'accord, général de Carthage. Vous pouvez compter sur nous. Vous êtes les bienvenus. Ce que tu as vu aujourd'hui n'est que le commencement, mon ami. Le premier triomphe d'Hannibal sur le sol romain scelle ses alliances avec les tribus du nord de l'Italie. Rome réplique en rappelant sa seconde armée de Sicile pour venir appuyer les troupes de Publius Scipion. Longis. Publius? Merci. Je crois savoir que ton père ne doit d'avoir eu la vie sauve qu'à ton courage. Je suis heureux de constater que mon camarade consul se porte mieux.
Je vais guérir complètement d'après les médecins. Excellent. De mon point de vue, nous devrions attaquer Hannibal sans attendre davantage. Tiens. Sans lui laisser le temps de savourer sa victoire due à la chance. Était-ce vraiment de la chance? Ils ont surgi de nulle part. Et ils nous ont massacrés avant même qu'on ait le temps de sortir nos glaives. Vraiment, je suis étonné de t'entendre parler ainsi de ce barbare. On peut apprendre beaucoup de choses en un jour, Sempronius. Avant d'engager une nouvelle action, laissons nos armées se reposer pendant l'hiver. Le moindre instant que ce Carthaginois passe sur le sol romain est une insulte. Il nous faut agir, et agir vite, avant qu'il établisse des bases solides. Demain, je marcherai sur la Tabie. Publius Scipion et Sempronius Longus sont tous deux consuls d'une province romaine. Chaque mandat ne durant qu'une année, Longus brûle d'en découdre avec l'ennemi. En Trébie, je provoquai l'offensive avant que leur armée soit prête. Et ils mordirent à l'hameçon. 25 000 de leurs meilleurs soldats furent massacrés. Au lac Trasimène, Rome lança contre moi le plus gros de son armée. Profitant du brouillard, nous les avons repoussés jusque dans les eaux du lac et avons massacré 15 000 de leurs soldats. Certains ont même préféré se noyer plutôt que de tomber sous nos glaives. Auparavant, je n'étais qu'un nom, connu seulement de quelques-uns. Une ombre surgit des montagnes. Désormais, cette ombre planait jusqu'au cœur de l'Italie. Encore une victoire décisive, et cette guerre serait terminée. L'armée d'Hannibal se trouve désormais à un jet de pierre de Rome. Pour la première fois depuis 50 ans, un dictateur militaire est nommé. Le choix se porte sur Fabius Maximus. Dois-je vous rappeler à tous que l'armée d'Hannibal Barca est seulement à 150 km de Rome? Alors nous devons les combattre, pour les exterminer jusqu'au dernier. À moins que ce ne soit nous qui soyons exterminés. Est-ce que par hasard tu mettrais en doute l'honneur et le courage du peuple de Rome? Ce sont des faits dont je parle. La Trébie nous a coûté les vies de 20 000 soldats. Nous avons perdu un consul et 15 000 hommes à Trasimène. Nous sommes en train de perdre pied. Et si nous continuons sur cette voie de l'affrontement direct, Rome sera bientôt anéantie. Le temps est maintenant venu d'être impitoyable. Non seulement avec notre ennemi, mais avec nous-mêmes. Il faut reconnaître nos échecs et reconsidérer notre stratégie. Qu'est-ce que tu proposes, Fabius? Qu'on annule ou qu'on diffère la seule chose qu'il attend avec impatience. La bataille. Le meilleur moyen de vaincre Hannibal, c'est de ne pas l'affronter. Certes, il a une très grande armée, mais elle est composée d'une mosaïque de peuples que l'on pourrait aisément diviser en harcelant leurs lignes de ravitaillement afin d'affamer leurs troupes. Autrement dit, il faut frapper son armée au ventre. Ce n'est pas là la tactique d'un soldat, mais celle d'un lâche. Tu veux donc que notre grande armée romaine adopte la tactique de ces sauvages? J'aimerais que notre grande armée romaine fasse tout ce qu'elle peut pour vaincre cet Hannibal une bonne fois pour toutes. Pendant l'expédition dans le sud de l'Italie, la maladie me rongeait plus férocement qu'aucun ennemi n'aurait pu le faire. Est-ce qu'ils comptent nous vaincre de cette façon? Ils savent qu'une armée affamée est une armée affaiblie. Il faut trouver le moyen de les convaincre d'attaquer. Oh, ce fichu guérisseur. Il est en route, mon frère. On n'a pas besoin de champs de bataille pour anéantir ces Romains.
Nous allons brûler leurs terres, leurs récoltes, leurs maisons. Tout ce qui permet aux Romains de se sentir en sécurité, il faut tout réduire en cendres. Sauf celle de Fabius. Je veux que ses possessions demeurent intactes. Et on verra s'il se sent encore en sécurité en voyant que ses compagnons commencent à perdre tout ce qu'ils possèdent. Alors, Fabius, en quoi ta stratégie nous a-t-elle fait progresser ? Il essaie de te provoquer. Ne te laisse pas faire. Ce ne sont pas tes terres qui sont en train de brûler. L'infection est grave. Est-ce qu'on y peut quelque chose ? Malheureusement, non. Alors laisse-moi. Sors d'ici ! Je vais le perdre. Oui. Navré, général. On pourrait croire que c'est un mauvais présage. Ça n'a rien à présage. Bien sûr que non. Comprends-tu ce que ça signifie d'être citoyen de Rome, Scipion ? Ça veut dire que où que tu sois, et qui que tu sois, les gens savent que s'ils t'attaquent ou s'ils te maltraitent, toute la puissance de Rome viendra se porter à ton secours. C'est un grand privilège. J'en suis conscient. Ce barbare fait croire à tous les métèques et les sauvages de l'Empire que Rome peut être impunément foulée aux pieds. Mais à quoi bon ? Tu es fidèle à Fabius. Fabius est mon officier supérieur. Quiconque occupe ce rang peut compter sur ma fidélité. Fabius humilie Rome ! Mon ami n'est pas aussi discipliné que toi. Pardonne-lui cette sortie. Cela dit, il a peut-être soulevé un point important. Tu peux t'exprimer librement, Scipion. Tu n'as que des amis ici. Notre stratégie actuelle nous fait paraître faible aux yeux de nos amis et de nos alliés. Hannibal se moque de nous. Notre conduite, à mon avis, n'est pas digne de Rome. Donc, si jamais les circonstances venaient à évoluer, tu accepterais un changement de stratégie ? En effet. Sous un bon commandement. Bien, mon ami. La méthode de Fabius ne sera peut-être plus pour longtemps celle de Rome. Le mandat de Fabius arrive bientôt à terme. Je serai candidat à son poste. Après, peut-être, trouverons-nous un autre moyen de régler le problème. Six mois plus tard, les ambitions de Varro se réalisent. Il parvient à se faire élire consul. Le dictateur militaire Fabius, qui a toujours refusé l'affrontement direct avec Hannibal, n'est plus au pouvoir. Scipion est promu au rang de tribun par le nouveau régime. Il rejoint les rangs de la plus grande armée jamais levée par Rome et se met en route pour affronter Hannibal dans le sud de l'Italie. Cette bataille sera l'une des plus sanglantes de l'histoire. Il doit y avoir 8 légions. 85 000 hommes. Serais-tu en train de regretter Fabius ?
85 000 hommes. Je crois que Rome n'a jamais levé une telle armée. Ils sont venus en masse, on les tuera en masse. Difficile de diviser une armée disciplinée. La discipline est une arme à double tranchant. Oui, les Romains ne savent se battre que d'une seule façon, ce qui les rend prévisibles. Si on adopte une tactique inattendue, ils seront pris par surprise. Gisco. Tu as peur? Bien sûr que non. Ne crains rien. On aura des milliers de Romains en face de nous. Mais aucun ne porte le nom de Gisco. C'est parfait. On lancera nos troupes là, sur cette berge. On sera protégé par le fleuve à droite et les collines à gauche. Sa cavalerie ne pourra pas nous encercler. Et il ne pourra pas nous prendre par surprise. Je n'en suis pas si sûr. Tu oublies que nous sommes deux fois plus nombreux. On va concentrer nos troupes en une masse compacte de glaives et de boucliers qui enfoncera sa ligne de front. On verra ce que ce barbare a véritablement dans le ventre. Mon seul souci est de savoir s'il se battra. Oh, il se battra. Ils sont plus nombreux que nous, et ils ont choisi un champ de bataille favorable à leurs forces d'infanterie. C'est un choix judicieux, mais pas autant qu'ils l'imaginent. Nos forces seront déployées de cette façon, à la manière d'un arc tendu, puissant mais souple. Magon, c'est toi qui commanderas cette ligne. Je répète, cette ligne a une extrême importance dans cette bataille. Les Romains verront notre formation, mais ils ne nous craindront pas. Ils seront confiants dans leur écrasante supériorité en nombre, et nous nous garderons bien de les détromper. Souviens-toi que leur plus grande force peut également être leur plus grande faiblesse. Juste avant que nos lignes s'engagent, je veux que tu prennes d'assaut leur cavalerie, Maharbal. En avant ! Quand ils verront avancer notre cavalerie, ils riposteront. Quelles que soient tes pertes, tu devras t'opposer à leur progression. Il en résultera une confusion totale. Continuez d'avancer ! Terribles pertes en donnant l'assaut. Mais tu devras les faire reculer. Attaquez ! Les Romains vont riposter en envoyant une nouvelle vague de fantassins. Ils profiteront de leur supériorité numérique. Légion de Rome, pour la gloire! Cède lentement du terrain. Ah !
ta ligne cédera, ce qui arrivera forcément. Les Romains seront comme aspirés dans cette brèche et ils enverront de plus en plus de troupes. Envoyez la réserve ! À ce stade, les Romains se croiront vainqueurs. Hannibal ! Hannibal ! Hannibal ! Laissons-les goûter à la victoire. Avant de mobiliser nos renforts cachés pour les prendre à revers et les encercler. Ils seront bloqués de trois côtés. Et ils n'auront pas d'autre choix que de reculer. Pour les intercepter. Surtout, n'aie aucune pitié. Ce fut la plus grande victoire de tous les temps. 60 000 Romains périrent sous les coups de nos glaives. En un seul jour, l'élite de l'armée et de la politique fut décimée. Une victoire plus glorieuse que celle d'Alexandre et de tous les héros qui avaient existé avant moi. Et pourtant, je n'éprouvais pas le moindre sentiment de triomphe. La bataille de Cannes, dans le sud de l'Italie, marque la période la plus noire de l'histoire de la République de Rome. En quelques heures, Hannibal a quasiment anéanti Rome et tout ce qu'elle représente. C'est alors qu'il prend une décision qui scellera l'issue de la guerre et changera à jamais le cours de l'histoire. Nous devrions faire route immédiatement sur Rome. Mes cavaliers peuvent partir avant l'aube. Nous n'irons pas à Rome. Quoi ? C'est terminé, on a gagné. Non. Nous aurons gagné quand Rome sera détruite, complètement rasée, réduite en cendres. Pourquoi ? Pourquoi faire ? On n'est pas des animaux ! Rome est écrasée. On n'a pas besoin de dévaster la ville pour prouver notre victoire.
je te dis qu'on n'ira pas plus loin, Marabal. C'est terminé. Les dieux n'ont donc pas tout donné à un seul et même homme. Tu sais comment vaincre, Hannibal. Mais tu ne sais rien du bon usage de la victoire. Qu'est-ce que tu proposes ? Nous allons présenter à Rome les termes de sa reddition. La bataille de Cannes est la troisième grande victoire militaire d'Hannibal sur le sol romain. Selon les conventions de la guerre à l'époque, elle aurait dû signer sa suprématie définitive sur Rome. Mais Rome n'entend pas accepter la défaite. Je n'émettrai aucune récrimination. Je ne ferai aucun reproche. Mais je dirai simplement ceci. Si Rome souhaite survivre, il lui faut une nouvelle armée. Maintenant. Je vais abaisser l'âge de la conscription à 17 ans. Et réduire le nombre de qualifications requises pour servir dans l'armée. Et j'irai plus loin. Je vais décréter l'amnistie pour tous les esclaves et tous les criminels prêts à combattre sous notre étendard. Nous trouverons des soldats n'importe où, coûte que coûte. Nous utiliserons toutes les ressources possibles. Et s'il faut pour cela dépouiller les temples, des armes et des armures que nous avons dédiées à nos dieux, alors nous le ferons. C'est un sacrilège. Non, c'est du bon sens. Les dieux n'ont aucun usage de ces armes, contrairement à nous. Oublions nos petites guerres intestines. Cessons de jouer les héros. Nous allons réduire ce barbare à néant et le mettre à genoux. Jour après jour, jusqu'à ce qu'il meure de la poussière. C'est ce que je conseille de faire depuis le début. Une arrogance et un orgueil démesurés nous ont menés là où nous en sommes aujourd'hui. Mais l'enjeu, cette fois, n'est plus l'honneur, ou la gloire, ou l'avancement personnel. L'enjeu de cette bataille est l'agonie, ou bien la survie de Rome. Rome devait capituler. Parce que tu croyais sérieusement à une reddition de la part de Rome. Nous parcourons ces terres comme il nous plaît. Nous écrasons toutes les forces qui se dressent contre nous et déjà par trois fois, nous avons été victorieux. Les Romains ne peuvent lever indéfiniment de nouvelles troupes ni se doter de nouveaux généraux. D'après les règles et les conventions de la guerre, on devrait en avoir fini. Avons-nous vraiment joué selon les règles ? Mon frère, je veux que tu retournes à Carthage. Pourquoi ? Pour convaincre le Sénat de nous envoyer des renforts afin d'achever ce que nous avons commencé. Nous allons conquérir l'Italie, ville après ville, jusqu'à ce que Rome, totalement cernée, encerclée par des territoires hostiles, soit finalement forcée de se rendre. Voici les bagues des sénateurs romains qui sont déjà tombés sous nos glaives. Ce sont les symboles de nos nombreuses victoires sur Rome. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est plus d'hommes afin d'en finir avec cette guerre, une fois pour toutes. Dis-moi, Magon Barca, si les Romains sont si près d'être vaincus par les troupes héroïques de ton frère, pourquoi a-t-il besoin de notre aide ? Avec des vivres en abondance et de bons renforts, on pourrait terminer cette campagne. Je crois me souvenir que ton frère nous a assuré que cette conquête serait promptement menée. Depuis combien de temps dure-t-elle ? 3 années. Et qu'est-ce que tu en rapportes ? Cette campagne est terminée maintenant.
L'armée d'Hannibal ne recevra plus le moindre subside de ce Sénat, sache-le. Et en outre, je propose que toi, Magon Barca, tu sois chargé de prendre le commandement des renforts que nous allons envoyer en Espagne. C'est bien parlé. Nous avons remporté la victoire à 3 reprises. Mais ils envoient des renforts et des vivres à tout le monde, sauf à Hannibal. Ses ennemis sont extrêmement puissants. Leur jalousie à son égard est plus vive que jamais. Dès que la situation sera stabilisée en Espagne, je rejoindrai Hannibal. Et j'emmènerai tous les hommes que je pourrai. S'ils sont prêts à l'abandonner alors qu'ils remportent des victoires, que feront-ils s'il essuie une défaite? Que les dieux nous en préservent. Privée de renforts, l'armée d'Hannibal ne peut contraindre Rome à livrer bataille. Pendant 7 ans, il restera ainsi isolé. De son côté, Rome reconstitue ses forces et dresse un plan pour mettre un terme à cette guerre interminable. Alors, qu'y a-t-il de si urgent qui ne puisse attendre jusqu'à demain, Scipion ? J'ai une proposition à faire. C'est ce que j'ai cru comprendre. Nous nous battons contre Hannibal depuis 9 ans. Tu as doté Rome d'un bouclier que notre ennemi semble incapable de briser et tu lui as tenu tête. D'accord, d'accord. Où veux-tu en venir? La victoire n'est pas donnée par un bouclier, mais par la pointe d'un glaive. Ce sont là de belles paroles, Scipion. Mais je te rappelle que c'est exactement la faute que nous avions commise et qui a failli nous conduire au désastre. Seul un fou peut commettre la même erreur 2 fois de suite. Gardons le solide bouclier dont tu nous as doté. Mais envoyons une armée d'invasion en Espagne. Pendant qu'Hannibal est occupé ici, nous frapperons les Carthaginois là-bas. C'est exactement ce qu'il nous a fait. Et qui conduira cette nouvelle armée ? N'es-tu pas trop jeune pour conduire une armée sous l'étendard de Rome? Tu connais la loi. Et toi, Fabius? Tu sais l'enfreindre, je le sais. Vraiment désolé, Scipion. Je suis certain que Rome ne prendra jamais un tel risque. Mais Fabius sous-estime le désir de Rome d'en finir avec Hannibal. Depuis 7 ans qu'il observe son vieil ennemi, Scipion va bientôt montrer à quel point il en a tiré les leçons. Il faut toujours se demander à quoi l'ennemi s'attend le moins. Et faire exactement cela. Ses frères s'attendent certainement à ce qu'on s'engage frontalement dans la bataille, comme on l'a toujours fait. Mais on ne le fera pas. Cette fois, nous ferons exactement ce que Hannibal n'a pas réussi à faire en Italie. Nous marcherons directement sur leur capitale. Objectif, la nouvelle Carthage. On fera diversion pour éloigner leurs défenses et on leur tendra une embuscade. Ensuite, on mettra la ville à sac. Et souvenez-vous, pas de quartier. Tandis que Scipion met l'Espagne à feu et à sang, le seul homme qui aurait pu lui opposer une défense efficace a reçu l'ordre de demeurer en Italie. Général, je ne vois pas de bons augures dans les entrailles de cet animal.
Eh bien, regarde encore. Je commence à être las de tes augures funèbres. Souhaitez-vous que je vous mente, général? Si ça pouvait m'aider, je te ferais découper en morceaux ou écorcher vif. Pourquoi ne pas croire les augures? Ce n'est plus ici qu'a lieu la guerre. Scipion est en Espagne, où il ne cesse de remporter des victoires sur nos propres terres, pendant que nous moisissons ici. Est-ce ainsi que finit cette histoire, Hannibal? Je vais rappeler mon frère. Hasdrubal? Il a douté de moi, ainsi que toi. Mais à nous deux, nous pourrons tenir tête à Rome. Le Sénat m'acceptera. Où diable le Sénat? Je n'ai d'ordre à recevoir de personne. Je n'ai pas l'intention de me laisser dicter ma conduite par tous ces couards. Je n'avais pas revu mon frère Hasdrubal depuis près de 11 ans. Je lui demandais de venir d'Espagne avec son armée pour me prêter main forte. Et il me fit savoir qu'il était en chemin. Porte ce message à mon frère. Je repris espoir, car je savais qu'à nous deux, nous étions invincibles. Hélas, Fabius le savait aussi. Ces deux armées doivent se rejoindre en nombre. Excellent. Alors préparons-nous à les accueillir. Allez, allez! Tout le monde à son poste! Ne bougez pas, restez calme. Sont entre tes mains. Toi, ils te suivraient, mon frère. Est-ce ainsi que finit cette histoire, Hannibal? Ils te suivraient jusqu'à la mort. Je jure que je serai l'ennemi de Rome. Avec la mort de Hasdrubal, Hannibal voit s'envoler tous ses espoirs de victoire sur le sol romain. Scipion retourne à Rome, auréolé du succès de sa campagne en Espagne. Il nourrit désormais des ambitions plus grandes encore. Messieurs les sénateurs, je vous remercie. Mais notre gloire n'est pas totale. La conquête de l'Espagne n'est pas suffisante pour nous faire gagner la guerre. Afin de débarrasser notre pays de ces Carthaginois envahisseurs, il faut porter notre bataille jusqu'en Afrique. Jusqu'à Carthage même. Attaquons Carthage. Alors, ils appelleront Hannibal pour qu'il protège sa chère patrie. Et c'est sur le sol africain que je vaincrai Hannibal. Tout comme Hannibal a jadis menacé la toute-puissance de Rome, Scipion est prêt désormais à écraser Carthage. Nous sommes confrontés à notre crise la plus grave depuis près de 40 ans. Notre ennemi est là, sur notre sol. Et sa présence menace notre existence. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises afin d'assurer la sécurité de notre patrie. Très juste, il a raison. Voilà qui est parlé. Ne devrait-on pas faire revenir Hannibal Barca d'Italie? C'est la faute, dans une grande mesure, d'Hannibal Barca si on est dans cette situation. On n'en serait pas là s'il ne s'était pas lancé dans cette folle aventure en Italie. S'il s'était gardé de priver l'Espagne de toutes ses défenses et de laisser le champ libre à nos ennemis.
La décision de ne pas rappeler Hannibal sera catastrophique. La défaite est totale. L'armée carthaginoise est écrasée lors de la bataille des Grandes Plaines. Hannibal restera en exil encore une année, avant d'être enfin rappelé pour défendre Carthage et sauver la réputation des dirigeants politiques qui l'ont trahi. Mais le sort lui sera décidément contraire. Nos alliés nous trahissent pour Rome. Scipion n'est pas idiot. Il utilise la même stratégie qu'on a employée contre lui. Il sape nos forces en nous volant nos alliés. Parmi ses alliés, il faut compter nos cavaliers numides. Combien ? Les 4000. Leur cavalerie est donc plus nombreuse. C'était notre seul avantage. Il ne nous reste qu'une armée de nouvelles recrues peu entraînées. Il nous reste surtout toi, général. Avec toi à mes côtés, et Dieu sait que j'aurai besoin de toi. Scipion est posté à Zama ? Oui. Je dois connaître ses effectifs et sa position. Très vite. Halte là. Ces bêtes sont jeunes, général. Elles ont besoin d'entraînement. Tu ne m'as encore jamais déçu, Vandikar. Général. On pensait qu'ils allaient nous tuer, général. Mais... ils nous ont fait voir leur campement. Ils vous ont fait voir leur campement. Nous en avons fait le tour guidés par Scipion. Par Scipion en personne. Par Scipion. On se voyait déjà mort. On croyait qu'ils allaient nous tuer. Mais... lui, le général, il nous a fait simplement visiter le campement. Qu'est-ce qu'il vous a montré ? On a tout vu. Sa cavalerie numide. Oui. C'est ce que le Romain nous a montré en premier. Je m'en serais douté. Je suis désolé, général. Vous avez rempli votre mission. Je n'ai rien d'autre à vous demander. Retournez maintenant à vos unités. Qu'est-ce qu'il mijote ? Essaie-t-il de nous décourager ou de nous provoquer ? J'en sais rien. Il faut que je lui parle. Dans la plaine de Zama, Hannibal et Scipion se font face pour la première fois. Cette bataille ne servira à la gloire de personne, Scipion. J'ai toujours essayé de te comprendre. De savoir pourquoi tu prenais de tels risques. Je suis donc étonné d'apprendre que le fameux Hannibal Barca renonce à une bataille. Rome ne va pas le croire. Nous avons fait beaucoup trop de morts. Nous pouvons encore éviter le massacre aveugle de milliers de soldats dans nos deux camps. Non. Si j'ai appris une chose, c'est qu'une guerre doit être menée à son terme. Coûte que coûte. C'est grâce à toi que j'ai appris ça.
C'est grâce à moi que tu es devenu ce que tu es, que tu as appris ce que tu sais. Si je n'avais pas été là, je me demande si tu aurais jamais eu une armée sous tes ordres. C'est moi qui t'ai fait. Je suis là parce que tu m'as provoqué. Ce n'est pas la même chose. Si tu avais pris Rome quand ses portes s'ouvraient devant ton armée, on ne serait pas ici aujourd'hui. Tu n'es pas allé jusqu'au bout. Alors c'est moi qui irai. N'en fais pas une affaire personnelle. C'est une affaire personnelle depuis le moment où tu as posé le pied sur notre sol. Alors demain sera le jour qui décidera du cours de notre histoire. Les combats ont lieu à Zama, à 160 km au sud de Carthage. En 16 ans de campagne contre Rome, Hannibal n'a encore jamais perdu une seule bataille. Hannibal a rassemblé une force de 50 000 hommes contre les troupes de Scipion qui ne sont que 30 000. Ces 80 éléphants sont prêts à charger massivement l'infanterie romaine. Scipion a anticipé le plan de bataille d'Hannibal. À l'instant où les éléphants chargent, les rangs des légions romaines s'ouvrent largement, attirant les animaux dans un corridor mortel. Pris de panique, les éléphants survivants font demi-tour, piétinant dans leur fuite les soldats de leur propre camp. Chacun de mes ennemis romains avait un point faible que j'avais su exploiter. L'une après l'autre, j'avais déjoué leurs manœuvres. Je les avais vaincus et je leur avais survécu. À l'exception de Scipion. Scipion avait imité ma stratégie, copié mes tactiques. Et je comprenais désormais à quel point il avait appris la leçon. Il ordonna à la cavalerie qu'il m'avait volée de nous écraser, tout comme nous l'avions fait à Cannes. À Zama, il se servit de tout ce qu'il avait appris de moi pour me détruire. Général ! Sauvez-vous, général ! Vous devez vous sauver ! Tant que vous serez vivant, Rome ne sera jamais en paix et Carthage ne perdra jamais espoir ! Sauvez-vous, général ! Hannibal est contraint de fuir. La guerre est finie. Rome triomphe. Ainsi prend fin la seconde guerre punique. Tant qu'Hannibal sera vivant, les Romains ne connaîtront pas le repos. Ils finissent par le cerner en Bithynie, dans le nord de la Turquie actuelle. Thank you.
Mais le vieux guerrier ne se laissera pas prendre vivant. Le temps était venu de débarrasser Rome de ce maudit vieillard. La guerre. Que les dieux nous en préservent. Si tu avais pris Rome quand ses portes s'ouvraient devant ton armée, on ne serait pas ici aujourd'hui. Est-ce que tout est là ? Oui, général. Je n'ai fait qu'écrire sous sa dictée uniquement. Je n'ai rien... Je sais. Mais si un jour l'histoire de cet homme doit être rapportée, elle le sera par les Romains. Hannibal a conduit Rome au bord de la destruction. Mais en refusant de s'emparer de la ville après la bataille de Cannes, il n'a pas su donner le coup de grâce à son ennemi mortel. Ainsi, Rome put reconstituer ses forces avant de riposter et de détruire définitivement Carthage. Hannibal survécut dans la mémoire collective des Romains comme un funeste souvenir, une ombre menaçante, le pire cauchemar de Rome.